Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Iron News. Comment vous tout connaît, nous pouvons faire une série d'émissions rétrospectives de l'année 2021. Nous pouvons accueillir sur ce plateau Maître Neil Candelou. Maître Neil Candelou, bonsoir. Bonsoir mon ami, bonsoir la République. Nous prenons également l'intervention de Lakshrampat, avocat, et également Alvin Jawahir, avocat. Nous prenons l'intervention d'Alvin Jawahir avant. Nous rentrons en contact avec Maître Alvin Jawahir. Oui, bonsoir Maître Alvin Jawahir. C'est Vinay Ramkalawan, Iron News, ou en direct l'on nous plateau. Maintenant avec nous sur ce plateau, Maître Neil Candelou. Bonsoir Alvin. Et comment tu peux décrire l'année 2021, l'année judiciaire 2021, Alvin Jawahir? L'année judiciaire 2021, pour moi, en trois mots, c'est une année remplie de changements. Changements au niveau de la direction du judiciaire, Madame Boulboun qui est nommée chef-juge à la place de M. Konaï. Donc ça, c'est le changement, mon pensée, le plus marquant de cette année. Mm-hmm. Et ensuite, quand on dit judiciaire, on dit rempli de changements. Et ce n'est pas juste au niveau de la tête judiciaire, mais dans la gestion du judiciaire lui-même post-Covid. Parce que nous finissons avec ben, différents protocoles qui commençaient depuis mars 2020, mm-hmm. Jusqu'à cette année-ci. Nous finissons plusieurs chamboulements dans la capacité de nous banner la cour district, intermédiaire et même suprême de gérer l'administration de plusieurs dossiers. Donc, c'était une année remplie de changements protocolaires, comment gérer public, comment gérer dossier, ban accusé, ban dossier civil. Et donc, une année difficile pour moi, hein, et mon cause à mon nom, dans mon expérience personnelle. Dans nos différentes interactions, mon pensée tient une année bien difficile et remplie de challenges. Mm-hmm. Mais tout n'est pas sombre. Le côté positif pour l'année judiciaire, c'est que nous faisons gagner une madame pour la première fois à la tête du judiciaire. Un moment historique, selon vous, Alvin Jawahir? Oui, pardon, vous dire. C'est un moment historique? Définitivement, pourquoi c'est le mot à dire. Et c'est un moment historique. Et c'est aussi un moment rempli de promesses, parce que, enfin, du moins depuis que moi, on pratiquait, qui a à peu près une quinzaine d'années, mon parfum côtoie un chef-juge qui a un mandat qui est aussi prometteur, parce que le chef-juge est jeune et il y a un parcours vraiment rempli de passes aux carrières, si on suit de la cour intermédiaire, dans le produit, la cour commerciale, etc. Et aussi, madame la chef-juge, est dans une conscience de ce qui peut passer dans mon district et dans les autres instances judiciaires, qui fait qu'il ce bilan très prometteur d'avance, parce qu'il est pour une même capacité amène à beaucoup de changements nécessaires dans la conjoncture actuelle. Mm-hmm. Et aussi, pour moi, représente un pont entre la génération antérieure et la génération d'avocats et de juges magistrats qui à venir. Donc, vraiment, ça, madame-là, pour capable de faire transition de certaines valeurs judiciaires et amène l'innovation qui est nécessaire. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui me fait attendre cette évolution. Et moi, je suis fier qu'il nous accueille une madame à la tête du judiciaire. Et c'est un symbole pour une madame qui va venir aussi, qui est capable d'aspirer au grand poste. Bien sûr. Donc ça, c'est très bien. Et vous profitez de l'occasion pour féliciter le chef juge dans son poste, ainsi que la nation mauricienne pour être accueillie à ce et à cela. Mm-hmm. Est-ce que l'année 2021 finalement plusieurs ban grands cas qui finent médiatisés, est-ce qu'il y a un cas en particulier qui finit interpellé Alvin Jawahir? Bon,
ça. Mais ce qui finit retenir mon information en particulier, c'est le cas de Betamax. Et mon courant, c'est la plus haute instance de l'île Maurice, le conseil privé, qui finit trancher le cas de Betamax. Mm-hmm. Et pour moi, qui fait un livre bien important, parce qu'encore une fois, dans sa carte Covid, etc., Betamax, c'est toujours une question d'intérêt public, parce qu'il y a loi à location et contrat public. C'est-à-dire l'utilisation par le fonds qui, pour moi et tout citoyen, contribuer à la taxe que j'ai à nous payer. Et qui, à mon avis, fin mal servi aujourd'hui, citoyen, bébé, pays, pour les réels, c'est un match des accords. Donc, moi, ça, dans le cadre du Covid, c'était l'affaire de l'année, selon vous? L'affaire de l'année, pour moi, au moins pour l'île Maurice ou bien Solichi. Donc, comment allocation contrat faire? Et comment si allocation contrat fin faire annuler par la suite le changement de pouvoir, de direction, etc. Ça fait des cas particuliers qui mettent en exergue l'importance aujourd'hui jour revoir le système allocation par le contrat public, c'est-à-dire nous l'avoir procuré. Par exemple, on vous dit qu'il y a à un moment donné respirateur artificiel entier commandé de Turquie qui dit qu'il y a un grand problème. Vous pouvez dire l'affaire Paken Blister là? Parce qu'il est ouvert à voir pour nous questionner le système existant. Est-ce que les contrats publics et la forme de ban tendering process à Maurice est transparent, juste et prévoit, on va dire, des compétitions saines dans le ban plan de Maurice. Donc, moi, vous pensez, pour moi, c'est l'affaire Betamax, pour ça, bonne raison. D'accord. Et est-ce qu'il y a un projet de loi qui finit voté au Parlement, un projet de loi en particulier qui vous rappelle en 2021? Non, moi, mon pensée, projet de loi qui me fait un petit projet, mon pensée, peut-être, je vais prendre l'eau là, c'est Haïti. Quand on quitte, le background de la situation générale, pas de manifestation qui vient là, on quitte pas de jeunes qui débêtent comme Ivan Bibi, un des enfants qui attire mon attention récemment, parce qu'il lui a démontré un caractère d'un politicien, d'une personne publique qui peut causer. En même temps qu'il a une manifestation qui fait avec une personne comme ça, de sa femme-là, Ramavalaïen, etc., on peut être une série de mesures législatives qui peut prendre, justement pour sanctionner plus du monde qui fait un délit, comment la loi peut créer à ce terme, pour avoir l'impression qu'il s'est plus élevé la liberté d'expression. Et comment dire, pour moi, ce projet de loi-là, il retient mon attention, on gagne un peu une déception sur une formulation atlantique telle qu'ils ont été. On peut suivre comment avec grande ferveur, un débat et de l'opposition et du gouvernement pour péter ce pas, ce texte de loi-là qui juste dans les circonstances, qui à mon avis n'est pas. Voilà, Simon Carrel est pour nous, donc ça texte de loi, je vous dis ça. Le mot de la fin, Maître Alvin Jareil. Bon, le mot de la fin, mon bon, nous avons des perspectives qui vous sont partagées aujourd'hui. La première perspective, c'est le côté individuel du citoyen, un vue, si vous voulez, microscopique. Le citoyen, aujourd'hui, vivre dans une incertitude par rapport à la vie quotidienne. C'est-à-dire, comment il faut tirer sa ration, comment il faut faire pour sauvegarder son emploi dans la conjoncture actuelle avec l'industrie existante. C'est inquiétant. Et puis, il y a un fléau tel que la drogue qui ne s'amène pas diminuer sous contrôle.
tout à l'heure, là, on pose une question sur le grand cas cette année, nous avons gagné un cas avec une somme, une valeur pharaonique de la drogue qui vient de rendre dans Maurice, 3 millions, encore dans un cas pointe canonique qui probablement le public qui suivent. Mm-hmm. Donc, quand on peut ça, sa dégradation sociale là, la vie individuelle à Maurice, il vient inquiétant. Comment dire, il y a des affaires qui nous viennent regretter. Et oui, revoir de sorte que le changement qui est amené, c'est un changement amené en profondeur, vraiment à la racine jusqu'aux feuilles et les branches du problème. Vous connaissez, donc ça c'est une première perspective. La deuxième, c'est au niveau collectif et social. Comment dire, quand on fait ça, on a mobilisé ou pas de contrat, manière qui a le contrat et le bien public. Et là, récemment, on ne peut pas oublier dans sa histoire, Molnupiravir Viera, qui, ça aussi, achat de médicaments, il fait une opacité incroyable. Et nous trouvons qu'il y a un besoin très important de protéger les fonds publics et protéger l'intérêt public. Et les risques qu'ils ont dit, militants pour l'intérêt public, sont marginaux. Et donc, le mot de la fin, c'est qu'ils m'ont prié que la conscience du Mauricien éveillée pour trouver que la direction cipiale compte sur l'intérêt, qu'il est besoin de réorienter, réaiguiller, pour que les enfants héritent d'une nation qu'on te fait bon vivre, d'un pays qu'on te fait bon vivre, individuellement et collectivement. Mais... Et c'est mon souhait, c'est mon souhait pour l'année 2022, qu'ils ont réussi à trouver une paix à l'intérieur des autres et parmi les choses, et chemin ouvert pour le succès et les autres pérennités. En tout cas, merci beaucoup Alvin Jaraïa pour l'intervention dans nos émissions et c'est dommage que vous n'avez pas capable d'être présent dans nos plateaux. Mais nous remercions beaucoup fin d'intervenir. Moi qui remercie vous, Vinay, et en fait, vraiment, quand j'ai moi, ça me triste qu'ils m'ont pas là, et chez toi avec vous et mon camarade qui est le compte de l'eau, à qui vous êtes grand allô, et vous pouvez écouter avec attention, vous saluer tout le monde citoyen. Merci beaucoup. Aussi pareil, Maître Alvin Jaraïa. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Donc voilà, bon internaute, c'était l'intervention de Maître Alvin Jaraïa. Nous écoutons Neil Kant de Lou. L'année 2021, est-ce que vous pouvez rejoindre un petit peu ce qui Alvin Jaraïa peut dire? Comment ou tu peux décrire ça l'année-là? L'année qui passe vite. Surtout sur le plan judiciaire. Oui. Vraiment vite quand ils ont réalisé qu'ils ne déroulaient, qu'ils ne pas déroulaient. Et surtout, une fin de changement dans la tête du judiciaire, une première, et qu'un aussi un signal fort à la communauté internationale, à côté du judiciaire, aujourd'hui, numéro 1 et numéro 2, c'est bonne madame. Mm-hmm. Pour gagner l'occasion, que c'est un petit peu plus slow là, au cours de l'émission. Il a vite dans le sens qui fait bien rattraper beaucoup de cloques suite à l'événement COVID 2020 et 2021. Connais quand il finit faire un lockdown, il faisait un bon ajustement. Mais heureusement qu'ils étaient ici, avec collaboration tout en chacun, qu'ils nous finissent faire un slot, nous récit tackle backlog dans le sens qui tient un cas spécifique, un bon lien spécifique et un témoin spécifique et nous récit deliver. Que ce soit au niveau de la Cour suprême, calendrier, in fine, risque et joule, que ce soit la Cour district et la Cour intermédiaire. Donc, c'était simplement pour nous un ajustement, nous faisons travail avec la Cour, et ben administrateur et administration de la Cour, in fine, provide toute bonne facilité pour qu'il n'y ait pas senti qu'il y a fait finir la bonne backlog. Mais naturellement, ban case à côté du monde qui le custody, c'est-à-dire en demande, une fin de tackle, une fin de deal, ban l'appel à côté du monde pour servir ban sentence prison, une fin de tackle, et qu'une fin de risque de jouer ban case d'après l'importance.
Et comme on dit, pas vite, si nous pas trop réalisé qui depuis arrivé 2022, beaucoup de monde pas réalisé. Si vous posez la question, mais qui est efficience pour Tchéna en 2020-2021, vous commencez à calculer ou oubliez 2018-2019 que vous pouvez faire. Tellement nous finirons dans un événement, l'événement, nous pas foutu réaliser, mais c'est ma 2022, l'attente au niveau national et international, c'est pour une l'année plus meilleure et plus prospérée. Elle l'année que du monde envie focus, elle l'année que du monde envie arrête guerre ban l'ambiancement pour nous. Et aussi pour faire un appel à ban du monde qui content pour se dicher juste pour faire méchant. Bête et méchant, le concept de bête et méchant, il n'a pas vienne la cour juste pour faire du tout gros. Ou vienne la cour pour autre la justice. Ou vienne la cour pour établir le droit. Mais pas vienne la cour, c'est un appel qui va faire ça. Pas vienne dans la cour pour vienne pour se vengeance ou bien pour vienne faire dominer avec du monde. Il rentre dans le backlog et que vous trouvez ou même. Du monde qui vient mettre case, parfois nous trouver, il commence à dire fouf. N'est pas aller venir comme ça, avec ça que tu mettes case, monsieur. C'est aucune route. Et dernièrement, trouver peut besoin de trouver un arrangement, une case inutile. Donc, un appel à la maturité de tout un chacun. La cour est déjà surchargée, le respect constitution, respect de la loi. Mais pas venir de ce forum-là, juste pour faire 10 euros pour ça, ou bien juste pour cette account personnelle. Mm-hmm. Et comme Maître Alvin Jawaye, tu peux dire, est-ce que pour rejoindre Lilo là, Lilo finit dire qu'il, quand il finit interpeller ça l'année là, c'est le cas de la fin, là, c'est que nous sommes capables de dire l'affaire Betamax. Pour où, Nil Kandelou, qui pour où l'affaire de l'année? Betamax, au fait, c'est un case. Pour rejoindre Alvin Jawaye, Alvin, oui, un bon case que plus important. Et d'ailleurs, si nous lisons le jugement de la Cour suprême Maurice, avant qu'il y ait au niveau Privy Council, il dit que ça, case là, il peut shake the very basis fundamental of justice. Ça veut dire, moi-même, il m'a dit, ça fait une sanction et Dalida, on peut pousser colonne, on peut pousser colonne, beaucoup font d'argent pour tomber. C'est une case très, très importante. Hein, et que, d'ici à Maurice, au niveau appelé juridiction, pas chez même l'opinion qui privé council, mais matin settle, matin fini passé, mais ça qui sert de leçon. Vous avez servi ma leçon, ma conséquence, ma séquelle qui finit arriver. Betamax, c'est un des banquiers qui pourrait rester dans les annales judiciaires comme étant. De l'île Maurice, vous pensez? De l'île Maurice, oui, aussi, il peut être servi, là, au niveau du jugement orbital. Que ce soit le banc de juridiction l'Asie, l'Afrique, l'Europe, il y a un des concepts qui fait cette banque rouge et qui fait un banc avocat chevronné qui n'a ces jours-là, mais il peut servir comme un guide, il peut servir comme un guidance pour un banc arrière comme ça, un arrière, pas si bizarre, il n'a ces histoires avec un axe. Il finit arrive ça pour nous venir, mais pas bizarre, nous rentrer dans une situation pareille. Et nous devons comprendre, et certains camarades, vous avez réalisé dans la loi contrat, nous devons comprendre qu'il y a un casse contrat, c'est pas une motivation qui va vous dire, qui tous les peuples connaissent qui motivation a été, mais c'est moi, le cas qui est très très sérieux. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de lawmakers et de demandeurs de la société civile qui disent que. Quand on a un arrière comme ça, pas qu'à les salauds de l'État. Mm-hmm. On dit, action des êtres humains, c'est l'État qui est responsable. Nous sommes capables de gérer sa situation dans le sens qui nous impose accountability, là, qui s'en a. Dis-moi, je vais venir prendre une décision. Dis-moi, je vais venir ministre, je vais venir premier ministre. Quand je rentre, moi, je suis un méchant, je suis un bête. Pour qu'on se casse tout le contrat qui est là, si ça cause mon vie, casse le contrat. Mais tu dis à l'époque, nous encore rappelons que c'était un contrat taillé sur mesure, un contrat béton, tu peux servir un terme comme ça. Mais tu s'entends là, on va dire non, rien. Un contrat qui est taillé sur mesure, un contrat béton, ou on peut voir ça, mais où laisse ce contrat-là passer, c'est un peu fort réalisé. Pour dire, beaucoup de syndicats ici,
plaignent, ils ont crié qui ban la loi anti-travailleur, ban la loi pro-patron, ban la loi anti-société. Mais ils n'ont pas fait aucun mouvement pour faire quelque chose bouger. Moi, avant de venir, j'ai fait une séance de travail avec mon camarade Balaïden. Depuis arrivé à une situation, tout le monde, depuis que je suis venu, crié freedom of information, freedom of information, freedom of information. Mais je dis allô, qu'on vous voyez sur le plateau, et que je dis allô, trois fois devant le forum. Nous vous disons, par exemple, quand tu fais un syndicat à la force policière, moi, Rama et Baboury, nous vous disons, en janvier, trouver une solution, commence au moins par aller devant la Cour suprême, à le dire, qui, bon, maintenant, pareil, quand tu fais un syndicat, il n'arrive pas à un syndicat de policier, qui beaucoup de gens ne sont pas quoi dans le cas là. Mais là, au moins, il arrive à lire la situation, comment il était. Corruption, népotisme, gratification, bribery, et que ça va des histoires qui viennent, qui contrat secret, souris, contrat secret, pas capable de divulguer, ni contre l'intérêt de quelques personnes. Mais non! Quand on engage le gouvernement dans une bank contractual obligation, ou bien honneur ou obligation, et quand un citoyen, n'importe qui s'en a quand un dimoun, dit moi envie de connaître qui gouvernement il engage, ou qui gouvernement pour faire quoi. Ou pas les rois de dire. Mais aujourd'hui, il y a la mode aujourd'hui, il y a de la mode d'amoris aujourd'hui. Et dans la mode emergency procurement, et qui dans la mode top secret. Tout le monde question qui posait à la James Bond 007, pas pour qu'elle réponde. Et c'est pour ça que moi, Baladen, pour en janvier, d'ailleurs, je peux faire consultation au niveau de mon camarade qui est basé en Angleterre. Mais permettez-moi de faire une parenthèse. Vous d'accord, quand même, Maître Delou, qui est dans cet événement de contrat, ban contrat surtout, G2G par exemple, qui est dans cet événement, pas qu'à dévoiler. Quand il vient nos issues de sécurité nationale, oui, moi d'accord, pas qu'à dévoiler. Mais quand il vient l'eau dans l'intérêt, ou pas capable de dire pas capable de dévoiler. Il est possible. Nous bien connaître. Et je dis toujours, Boris Johnson, le gouvernement anglais, il y a un problème souvent des fois, à cause de faire des affaires en catimini. Après ça explose sur figure. Et il n'est pas en consonant avec ce bonne législation qui les peuples bien connaître. Je dis, il y a un problème qui est gagné. Il fait qu'il y a une défaite électorale là, pourtant. Il fait là la semaine dernière, il y a une défaite électorale extraordinaire qu'ils avaient, tu vois, les mignons sont. Mais les peuples veillés, et la accountability, et sa plateforme accountability là. Et il y a beaucoup de gens, ou peut quoi, peut gagner l'élection, peut venir, peut gagner l'élection, peut gagner l'élection, peut gagner l'élection. Après un coup, une petite affaire, une petite information, on est levé dans 48 heures de temps là, ou bien aucun Superman vient de l'un mot d'autre, un autre Superman vient de l'un mot d'autre. C'est pas gagner le temps géré, mais tout le bang, explosé. Donc, accountability est obligé, et je pense, moi, qui, ce gouvernement-là, je ne sais pas quoi, et les politiciens, qui ne voient pas trop quoi, qui ont bon, de dire oui, le freedom of information, oui, mais je fais lien à l'aisir. De vous dire que, d'accord, nous vous avons demandé, nous vous avons la démocratie, ou trouvez certains qui sont antidémocrates, peuvent prendre la plateforme de la démocratie, peuvent expliquer à un pays démocrate comment vous avez fonctionné. C'est maintenant que je viens ici, vous oubliez ça, papier démocratie. Je dis, nous continuons de façon faire. Donc, freedom of information, jour dit jour, il arrive sur nécessité. Et je pense l'année prochaine, pareil, moi, je vais mettre case, pour dire la carte d'identité, moi, je vais mettre case, carte d'identité, voilà, donne-moi avocat. Mais nous pouvons bien tester, nous pouvons pas citer à nous comme ça, nous pouvons bien tester, nous paierons case freedom of information au plus tard avant la prochaine indépendance, fête de l'indépendance. Mm-hmm. Mais pas finalement, bien sûr, ZIS, l'affaire Betamax, ça en est là, finalement, plusieurs oui. Les autres cas. Merci, vous remindez-moi ça, une cause Betamax. Pour moi, jugement qui vraiment il fait moi plaisir, c'est le jugement de SIGOM. Against l'État Maurice, 2021, SCJ 162. Si comme tout le monde connaît, il est poursuivi avec son nouveau modèle de persécution, l'OICTA. La loi est amendée. La loi est commence sélectif, qui concepte annoyance, qui concepte fatigue du monde, qui concepte harasse du monde. Tout ce concept-là est développé et quand la loi est passée, tu n'as beaucoup de public débate après qu'il a loin de passer. Et il fait comment dire, mais pour un problème. Mais quand le jugement lui dit, la Cour suprême, dernier paragraphe, il dit que section
46H2 de l'ICTA, comment dit-il, le droit qui ban complainant aller à dire qui au sentiment une fine victimisé, une fine être annoyé ou bien qui gagne une fine cause annoyance. La cour, comment la loi l'a été, une fine dire qui pas pour capable poursuivre du monde là, qui fait pas pour capable poursuivre du monde là, parce qu'il n'est pas en règle avec nos constitutions, il est unconstitutionnel. Et aussi, l'infine bridge, beaucoup bon principe de l'égalité, dans le sens qui est trop vague, est uncertain, et n'importe qui du monde capable de dire annoyance ou causing annoyance dans sa façon, quand on fait pas résolver l'annoyance. Si un du monde vient dire que Mohamed est présent, il est vraiment beau présent, moi, avec un du monde, moi, que ça connaît, moi, je cause anglais, je cause un petit moutin, je veux dire. Je ne suis pas Maurice, je suis l'Aisne. Je suis famille, je suis les rois dans l'Aisne. Après, je suis ok. Le jour où je me dis que ça ressortit sans indien, après, je dis, je ne vais pas ressortir sans indien. Non, je cause mal au Yens, on dit que je vais ressortir sans indien. Et tu as fouillé, mais où est-ce que tu portes ça? Ou même qui dit que tu la bouche qui est née dans l'Aisne, ou un prince indien. Alors, ou peut cause moi l'audience. Et là, nous pouvons analyser ce qu'il vaut mieux. Mais comment arriver ça pour dire qu'il y a un ressortissant indien? On va le trouver, il y a un ressortissant indien parce qu'il est même une portée de l'eau là. Alors, tout le monde qui fait une fête, comment mettre ça à nouveau la loi qui, mon camarade Gobine, l'a mené? Tout le monde cause à l'audience. Mais la cour donne un strict guidance qui, ça la loi l'insulte. Mais il pense qu'il fait une prononciation au nouveau amendement qui est là. Et naturellement, bon, c'est moi, ça y a un vlog qui pourrait se continuer à développer, nous pourrait se continuer à l'interprétation jusqu'à assiser, guetter un coup l'efficience à la loi là, et guetter un coup si ça la loi là, est-ce qu'il est praticable ou bien il n'est pas praticable. Vous voyez pourquoi venir qu'il y a la loi, si vous dites, ben, vous mettez la loi, quand on rentre dans le supermarché, vous n'avez pas un droit sans 19 dans mon pack. Et là, regardez la loi là, c'est du monde qui a l'acheté 19. Ouvert un pack de zèf, ouvert pas clair, tout un zèf gâté, un zèf une cassé là-dedans. Les tiers, ils prennent un autre qui remplace. Et dans un pays, là, il y a une offense. Mais si vous connaissez comme un cas comme ça, tu prends la cour, là, ils sont en zèf, dans le pack. Nous, vous inquiétez un coup, la practicalité de l'eau, pas capable de mettre une bonne offense, que vous bombardez, ok, causing annoyance, tu arrives à un certain moment, que ça, la loi Itala, que ça, le camionnet, n'est plus capable de délivrer. Et si comme il vient, il met un load, justement, si comme il met un load là-dedans, et moi pense qu'il y a beaucoup de cases pour être review, et beaucoup de cases pour re-challenge, et pour re-aller à la cour, et là pour re-leuser le nouveau thème, le thème subséquent de l'ICTA. Donc, nous donne une situation à côté de la loi qui nous fait voter depuis 2014 jusqu'à ce temps-là, il y a beaucoup de loi qui nous fait voter. Je pourrais tester notre validité au niveau constitution et au niveau common law. Nous avons eu l'occasion au cours de l'émission Nil Kandelou que vous inspirez au ban la loi aussi qui fait voter dans le Parlement et qui selon vous est la loi qui fait interpeller. Mais avant nous prendre sa question là, finalement lundi l'homoclate plateau quatre madames et moi tu poses la question qui fait ban affaires qui fait interpeller autres et beaucoup là-dedans fin répondre c'est dans le cas de crime notamment crime à mort d'Albert que tu découvert des cadavres. Et dans plusieurs cas de crime, ou même un avocat, Nil Kandelou, est-ce qu'il y a un cas de crime qui fait une frappe ou que tu fais même choqué par ça en 2021? Il y a plusieurs cas de crime qui fait arriver. Quand vous voulez interpeller tout cas de crime, tout mot d'homme. Bien sûr, il y a bien. Il interpelle tout le monde. Bon, pas plus spécifique là, parce qu'il y en a quelques que moi personnellement involve. Mais nous attaquons le problème. Moi, je trouve ça problème depuis un bon bout de temps. Nous avons un serious issue of mental health, Maurice. L'Angleterre, il assume la responsabilité, il vient dire que, d'après ce bon calcul, d'après son estimation, il pensait que one third de l'UK, un tiers de l'Angleterre, on peut dire là, un tiers de l'Angleterre, et là, ben, serious or mild mental health issues.
Ici, comment dire, sa maladie mental health là, nous pas dit là ça. Il tabou, vous pouvez dire. Il tabou. Effectivement, il tabou. Si un du monde a un problème d'ordre, trouble psychiatrique ou psychologique, nous mettons-le à l'écart. Nous prenons-le, nous amenons-le, soit ceux qui sont capables à faire de faire le médecin privé, soit à l'impli dans ce corps. Et dans ce cas, l'État, il fait tout le gouvernement du Bénin, il fait le nécessaire, il provide budgeting, il provide appropriation, il met structure, il met tout. Mais seulement, il n'y a pas un cadre approprié, moi personnellement, de ce point de vue, qui, ça, l'hôpital-là, pas une place pour faire traitement mental. Tu ne sais pas, l'hôtel, là, dans l'hôtel littoral, tu n'as rien pour le gouvernement, ça. Prendre l'hôtel dans sa cadre-là qui est capable de faire traitement. Préor la mer, terrain football, volleyball, piscine, encadrement, soigner, consultation, group meeting, peer meeting, private following. Pas être venu mettre dans l'hôpital, hein, quand matin, décomprimé rouge, tantôt décomprimé blé, à soir décomprimé zone, après minuit décomprimé vert, nous allons comme ça, mais dire on n'a pas de chose. Quand nous trouvons sur répercussions, nous tous aux répercussions, mais au 10 jours, dans une zone violente, quand on rentre la case, quand on casse le stress, en femme. Peu importe. C'est le premier du monde qui est connecté là. Et on trouve beaucoup de crimes là, c'est un crime qui déroule un crime passionnel. Nous ne pouvons pas dire un crime qui involve un inconnu, que nous ne pas connaître. Finalement, beaucoup de crimes passionnels nous trouvons en 2021. Trop beaucoup de crimes passionnels. Un malade qui nous commençait petit, nous laissons aller, jusqu'à une ville incontrôlable. Qui bise faire? Le ministère de la Santé, malheureusement, bise pas être disconcentré le comprimé, le acide comprimé. Il bise à divorcer les policiers. Et il y a beaucoup de professionnels, Maurice, de niveau médical, hein, qui va mettre travail. Et il y a beaucoup d'enfants qui font médecine. Et il y a beaucoup d'enfants qui apprennent. Il suit un cours médical, mais c'est moi, malheureusement, je dis franc, il y a un backing pour rentrer dans le système. Peu importe qui gouvernement, il y a un backing pour rentrer dans le système. Si le système est comme ça, si il y a un backing, oublié. Pas moi qui peux dire ça, les peuples Maurice qui disent ça pour Dieu. Si il y a un backing, pas pour venir saison, pas pour venir inspecter, pour que cela les satan. Si il y a un backing, si tu mets un petit backing, pousser, nous rentrer. Mais non, c'est que tu veux faire. Problème. Tu veux involve social services, ministère de sécurité sociale. Tu veux involve ministère intégration sociale. Tout le temps, on vient dire ça. Intégration sociale et sécurité sociale, pas capable de mettre dans le même ministère. Des fonctions différentes. Quand Ramboulam, tu fais ça, en 2010 à 2014, tu nommes Xavier Duval, après tu nommes Souren Dayal. Tu connais qui faire, tu peux mettre sécurité sociale pour sécure, ce qui nous désappe provide, sécurité sociale en termes de pension, en termes d'assistance. Avec intégration sociale, ça y a une lutte pour donner un helping hand pour tirer du monde dans la misère. Et au fait, il crée le ministère intégration sociale. Après qu'il fait une grande conférence internationale, le Make Poverty History. Mais pas qu'il y en a follow-up aujourd'hui. Problème d'ordre économique, il vient un problème dans la case. Madame, vous avez compris ça. Madame, il y a un problème de discrimination. C'est clair, il y a un problème de discrimination. Si pas un problème de discrimination, ça ministère là va pas exister. Ministère de la femme, après une médecine moderne, il y a une gender equality. C'est un ministère qui vise à abolir ça. Pas un ministère qui vise à rester. Parce qu'il fait. Ou bien déjà, il y a un ministère là pour montrer qu'il nous besoin là pour protéger Adam, mais qu'il tient là, il n'est pas là. Ça, il y a des ministères qui m'ont pensé bien abolir, c'est le ministère touriste, parce qu'ils n'ont pas fait un ornier, c'est l'hôtel qui fait tout pour gagner ce qui est gagner. Les autres disent là comme un petit cosmétique, à la demande de conférence internationale, cause, oui, je lis la place, je lis. C'est un gaspillage fonds publics, ce ministère là. Et le ministère de la femme, un gaspillage fonds publics, parce qu'il fait, madame là, jusqu'à aujourd'hui, depuis l'indépendance, 68, jusqu'à aujourd'hui, vous trouvez, qui ministère a pu apporter? Moi, je n'ai pas de réponse, qui ministère d'âme
quand il me dit oh oui, on peut faire des efforts, il a dit, si pas coopérer, quand le ministère, si on a enquêté, puis le long terrain, puis a dit, nous devons recueillir des informations, nous devons dire, pas les coopérer. Et ça, bizarre, amène la loi. Parce qu'il n'est pas capable qu'on peut faire la loi qui nous peut voir out, nous peut dire data protection, comment safe city project, comment carte d'identité, ou pas faire non, ou laisse continuer quand tu es contesté avant, ou foncer. Mais c'est mal une loi qui est bien foncée, protection des enfants, protection de la femme, en termes de pas rédiger la loi, non, mais en pratique. Qui ça, histoire, bon, il y a beaucoup d'hommes congolais, hein. Mais beaucoup d'hommes violents qu'on est, hein. Ils mettent femme là dehors dans la case. Femme là pour vous aller, vous allez à la station de la police, vous avez un shelter, vous rentrez dans un shelter, que tout le monde ensemble dans le shelter, toutes femmes battues, tous les enfants ensemble. Mais toi, homme de tout seul, toi, toi qui vous allez dans le shelter, si tu es capable, femmes et enfants, quand ils restent dans la case, toi, allez dans le shelter, toi, tu es capable de signer, tu écoutes, tu peux aller. Mais dis pas comme ça, malheureusement. C'est le contraire, oui. C'est le contraire. Mon gars, l'occasion, et ça avec mon camarade Law Reform Commission, qui se dit, oui, je connais ça problème, et je peux travailler là. Il est contraire. Vous connaissez ça, les hommes qui déclarent Superman, rentre la case, Batman, pour aller rentrer, pour aller ouvrir la porte. Il connaît qu'il est tension là, si je gagne call, même mon cas out là, mon cas out dans le shelter, même, parce que les femmes et les enfants qui ont la priorité. Qui fait, bizarre pour madame mettre dans le shelter et pas les hommes, les hommes sont contents. Vous connaissez beaucoup d'hommes. En colère, mais c'est même bizarre, Jerry Franck. Les installations, bizarre, comment se balancer, nous, là. Mm-hmm. Vous bizarre comprendre. Quand on travaillait civil au pouvoir en 95 à 2000, mm-hmm. Madame Sidaya Timidis, dit ça mène la loi, la réforme. Sur la loi, tu y es contesté. Ça, la loi, même qu'ils ont dit, commence à développer. Mais malheureusement, peine à le dialogue. Comment peine à le dialogue? Alors, nous, on réforme les installations. Lawmakers, les judiciaires, la police. Je vous ai encadré d'un système de quoi? C'est l'assistance de l'État. Alors, c'est ça, moi, pensez, moi, 2022, 2023, 2024, ne pas juste venir avec une législation quand nous avons un vested interest, mais nous avons calculé ça côté social-là. Madame, elle a raison, elle a un problème, elle a un crime passionnel. Pour continuer un crime passionnel, tant que nous pas deal en sécurité avec une femme et avec enfants, et tant que nous pas deal avec sa mental health issue-là. Et quand nous pourrions dire ça, c'est nous avons recruté au niveau ministère d'intégration sociale et nous avons recruté au niveau ministère de la santé aussi. Mm-hmm. Nous essayons de rentrer en contact avec Maître Laksh Rampat. Oui, bonsoir Maître Laksh Rampat, c'est Vinay Ramkalawan, Iron News, ou en direct au plateau. Nous allons sur ce plateau Maître Nilkan Delou. Bonsoir Maître. Et nous pouvons un petit peu, nous pouvons faire une rétrospective de l'année, une rétrospective 2021 sur le plan judiciaire. Comment tu vous décrirais ça l'année-là, Maître Rampat? Profil ou ban médicament qui peut acheter, nous trouver là tout récemment CPN Scruters, ban tout mon peut d'apcash, d'ap contrat dans les deux timons. Moi, je dis bien clair, je dis franc parce que c'est ça la bête. Mm-hmm. C'est ça la bête. Et du côté de ban frontline, si tu peux un peu mettre un peu plus en face, là, ban là, ça tu peux mieux. Moi, premièrement, je satisfais mon portage, mon souffrance. Avec tout le monde qui est une victime Covid, un de la famille qui est décédé, parce que qui fait moi-même d'avoir la famille, nous tenons une personne qui peut être décédée avec Covid. Alors, bien sûr, mon grand souffrance, mon partage, douleur avec tout le monde qui perd de la famille, parce que il est bien douloureux, quand vous perdez un de monde avec Covid qui n'est pas capable de faire ce bain funéraire, mon bizarre. Il est bien douloureux.
Et pour deuxièmement, moi me dire côté nous pénal nous institutions pas plus fonctionner. Nous institutions pas plus fonctionner, expérimental n'est pas fonctionné parce que nous pas capables, nous profitons de risque en dessus nous-mêmes. Qui ne fait pas mettre sa main en journal, nous mettons sa main en journal, nous commençons à bien d'équipe nous maintenant liners, nous éduquons la population, nous faisons comprendre bien. Mm-hmm. Qui était à Covid. Et non pas tape par million l'eau. L'année 2021, le Krampat finit dans beaucoup ban grand cas qui finit médiatisé. Avant où, maître Alvin Djawahi a intervenu à l'ONU émission, l'affaire de l'année, c'est l'affaire Betamax. Maître Dalou aussi fait une cause lors l'affaire Betamax, il fait une cause aussi lors le SIGOM, exactement. Pour qui l'affaire de l'année? Pour moi, l'affaire de l'année, bien sûr, en tant qu'un monde Avengers, plusieurs mondes Avengers, l'affaire de l'année, c'était le cas de Kislen. Mm-hmm. Nous l'avons trouvé dans le cas de Kislen. Il est bien clair aujourd'hui que tout le monde connaît le cas de Kislen qui est descendu à chaque fois qu'il nous vient d'être là. Effectivement, l'affaire Kislen fin provoque même la démission ministre concerné. Nous causons aussi, Maître Rampat, l'urban projet de loi qui finit voté au Parlement, finalement plusieurs cette année-là. Pour où, qui projet de loi qui ou de survie cause l'eau-là? Parce que
je peux manifester en toute légalité avec lui, traduire l'ONG Corbin Vagabond, qui va tenir la route, effectivement, une finirie. Mm-hmm. Mais pour jeu de loin, je ne pense pas, nous garder une bonne direction. Je ne pense pas, peut-être, tout le monde du monde ici met la tête de travail pour l'île Maurice même. Peut-être même au cabinet où ils vont un bon jeu de loi. Et pour moi, côté moi, en tant qu'un criminel ouvrier, moi, je pense que c'est plus infini à trouver un pays le plus vite possible. On pense qu'il y a un ban abus, que ban n'a pas l'autorité. Mais finalement aussi, ban affaires qui est très positif l'année 2021, l'Akshrampat, finalement, et nous capables de dire que c'est un moment historique, finalement, la nomination de Mme Bibi Rehana Mangli Gulbul au poste de chef juge. Oui, ça, c'est une confiété, pour la femme, il y a une femme au niveau de judiciaire. Et moi-même, je suis fier aujourd'hui que vous me dire un avocat comme vous, moi, pour une perte de naissance. Le mot de la fin, l'Akshrampat. On va dire que c'est pour la fin, nous connaissons, mais ça, ce qui me tient pour faire passer, pour nous laisser tout bien, tout le pays, vraiment, ou quoi que ce soit, nous mettons tout en tête. Moi, on va dire, bien, nous pouvons faire face avec un virus invisible, Covid. Merci beaucoup, fin d'intervenir à l'ONU émission, maître Lakshrampat. Merci et nous souhaitons une bonne soirée. Donc voilà, c'était l'intervention de maître Lakshrampat. Où tu peux faire un commentaire lorsque il peut dire comme ça qui finalement il y a aussi des choses dans l'affaire qui se nène comme un cas qui fin frappe lui, qui fin involve personnellement là-dedans, qui fin aussi cause le ban projet de loi qui fin voté et également lors la nomination de la chef juge en première à l'île Maurice. Nous continuons, maître Neil Candelou, nous venons maintenant le ban projet de loi. Pour qui projet de loi, si vous pouvez rejoindre Alvin Jawahi, Lakshrampat, vous cause le projet de loi, le IBA, ou soit vous pensez à un autre projet de loi qui finit à tirer l'attention cette année-là? Oui, il y a 21 projets de loi qui finissent passer à l'Assemblée nationale. Mais si vous tenez pour choisir un là-dedans qui finit à tirer l'attention? Il attire mon attention, c'est. D'ailleurs, il finit là beaucoup de contestations le cybercrime et le IBA. Il finit causé au long et au large. Vous pensez que du monde des au courant qui est là-dedans et que nous pouvons aussi arriver à une contestation qui est bizarre là. Et c'est moi un projet qui vraiment me trouvait qui en contradiction pour donner aussi l'importance à ce moment-là et que je pense qu'il y a quelque chose qui nous décrit comme étant secret d'État, c'est le Offshore Petroleum Act 2021. Effectivement. Vous faites pour un député qui cause le bienfait
de bonne voiture qui électrique électriquement propulsée. Nous, mon camarade, partout, il a cause COP26, il finit pas mal d'engagement et il finit trouver dernier lien comment certains pays il finit remettre en question tout agrément qui finit là. Il finit dire que le world j'ai besoin encore 50 ans pour dire là ça. Et la manichou qui peut être cause j'ai besoin encore 50 bananes. Mais ici sa façon qui the offshore petroleum act 2021 il finit, il rentre, qui prend fini la public consultation, hein, il finit passer vite, vite. Sa façon passe la loi dans le Parlement, là, rentre grand matin, pour donner 3 jours, puis la consultation, du monde pas consulté. Ça, c'est une méthode qui peut bien arrêter. Vous prenez le temps pour parler, mais vous pouvez être venu, quand disons 4 minutes, pas donner le temps, pas donner le peuple le temps, pas donner l'opposition extra-parlementaire, pas donner l'opposition parlementaire, le temps pour venir négocier. Et où il y a un député qui n'est pas pompé, qui n'est pas tantôt, qui n'est pas lié à une compréhension, qui n'est pas lié, sans autre chronique, qui n'est pas lié. Ça, la loi Lannini, il dit que l'INAC est moderne, un mot approprié régulatory regime for the prospecting, exploration, retention, and production of petroleum in the seabed and subsoil areas of the maritime zones of Mauritius. Mm-hmm. Et puis, il y a un bon bout de temps qui tout le monde peut cause. A découvert un produit dans nos territoriales, dans nos échelons de l'eau et nos chers échelons de l'eau là avec le gouvernement CCL. Du bizin comme clean, effectivement, qui est là? Qui pourrait là? D'amener une législation comme ça. Du bizin, il a un green paper, white paper, qui peut venir dire les peuples mauriciens, mais effectivement, là, un du monde montagne, il découvre un saphir dans son ordre pour dire, pour 4 milliards. Tu peux explorer. Capable de venir un gros trésor dans nos areas. Mais pas qu'à dire, c'est un petit groupe du monde qui est comme ça. Je dis, nous n'avons aucune conclusion, le trésor que tu gagnes, Rodrigue. Mais si tu gagnes un gros trésor dans nos waters, dans nos territoires, avec une législation comme ça, qui s'en a qui amène sa législation là? Qui s'en a qui fait sa pression pour amener sa législation là? Qui s'en a qui commande ça? Tout cela, les peuples bien connaissent, mais dans qui conjoncture, nous pouvons aller de l'avant. Les raisons de la loi qui nous fait passer, il y a 5 la loi, loi appropriation, pour réassister aux autres budgets, et dans la loi qui vise à amener concernant ban emerging technology, optical council, tout ça là, construction, ça correct. Un régulateur, bien metté. Mais c'est pas ça la loi là, elle la loi qui ne passe, comment dire. C'est la loi là qui fait une attire ou l'attention. Une attire ou l'attention. Parce que, nous avons calculé, nous avons encore opéré un nouveau pilier économique. Nous avons encore dire, et d'ailleurs, avant le dernier budget que Honorable Palayatine passait, et si dire, vous pouvez venir des nouveaux piliers de l'économie. Qui ça des nouveaux piliers de l'économie là, nous devons s'attendre, même nous ne connaissons pas qui ça des nouveaux piliers de l'économie là. Donc, mon pensée, moi, qui ça, sa législation qui peut venir, pétrolium là, c'est un pilier de l'économie ça. Mais est-ce qu'il nous passe la loi comme ça, sans vraiment guette l'intérêt de la République, l'intérêt souverain de l'État? Depuis ça qu'on est, et moi, nous comme ça. Pas un groupe n'est venu de 30 avoir un bout de papier, l'attorney général, il est drafté en conformité avec les corrects, là, passe dans la loi, venir nous voter, mais les structures, qui s'en a pour venir, quand pour venir. Là, il y a un problème grave, là. Problème grave, le pétrole, chose, vous connaissez, ban retailer, permet pression, le ban feeling, payer tout, comme à ses produits, payer avant, les là pour gagner un produit. Et risquer, si le gouvernement ne va pas mettre la main ou faire un appel au ministère de commerce, get ça, issue là un coup, vous avez causé que man malin. Il n'y a pas de raison d'une conjoncture économique pareille pour imposer ces quatre conditions là. Vous mettez pression sur tout le bon feeling. Le bon feeling qui vous avez fini de faire payer moi pour plus de pétrole, pas pour moi longtemps. Mais beaucoup de raisons ça. Et la feeling, pas plus qu'à faute faire lui. Et là, mon propriétaire Philippe qui nous prend contact, qui nous dit que moi, je vous besoin, mais je ne fais comme ça, pas supposé assister, causer, et dans un meeting, et dans un autre. Je dis, mais mon propriétaire Philippe décide de ne pas coopérer. D'ailleurs, il y a des agents en menace là en 2014 qui ont coopéré. Tout ça, là, besoin qu'on ait qui peut dérouler.
pour faire un appel au gouvernement, cause avec ban qui peut provoquer du pétrole, qui besoin de trouver une solution pour l'industrie. La fonction normale, ban bien pour cause de disruption, là, et disruption qui fait à cause de l'argent. Paye-moi avant de l'amour pour donner. Mais pas tout le monde qui a fraude fait ça. Paye-moi qui a acheté le pétrole là. Mais qui fait ça, besoin de casser en avance. Le système là, où est-ce qui fait ban grand monsieur qui a l'intérêt là, je peux faire ça. Je peux faire l'intérêt dans les autres parties. Qui fait les autres ban distributeurs qui viennent dans autres distributions dans le supermarché. Après 3 mois, je vais t'en dire. Oui, qui vient tout produit là, après 3 mois, qui nous paye. Ça qui fait rien à ça. Il y a une compétition commission et tout le monde régulateur qui est là. Pas juste au niveau enforcement tribunal, enforcement juridiction, mais aussi il y a un tracking team. Un tracking team, il y a assisé en harmonie. Et je connais qu'il l'assume pour revoir sur une copie pour guetter un coup, comment pour cadrer plus pour consommateur. Mais le problème, c'est que le produit, compétition, ça va pas passer à consommateur. Nous prenons l'exemple. Nous causons franc. Zodizou qui fait ban produit, c'est. Zodizou qui fait coup de la vie, c'est. Parce que ça ban dit moun qui peut deal or business à Stéréman, la plupart là-dedans, la majorité des autres l'argent, à leur rente. Et propriétaire bâtiment, puis appuyer, puis mettre, faut. Peut dire qui ou pour bien payer ça ou pour bien payer ça. Et on avance, on avance. L'autre, je connais un grand conglomérat qui, quand finit la COVID, c'est pas quand dans le COVID, je dis bien payer les autres quand ils viennent opérer, pas opérer. Ça qui besoin de législation. Nous besoin de législation qui n'est pas possible qu'un restaurant qui veut vendre manger, dit normal, il peut vendre 1350 roupies parce qu'il se location 500 000 tous les mois. Mais comment ça? Alors vous pensez que pour mettre un lot dans un secteur là, qui est un gros secteur, vous allez mettre l'autre partout? Nous devons venir avec une situation à côté de voter, de dire dans le Parlement, nous devons décider qui, dans bagatelle, tel mètre carré, nous devons louer à tel prix. Dans flap, tel mètre carré, nous devons louer à tel prix. Il n'est pas pour venir un peu compliqué pour. Il n'est pas pour venir compliqué parce que nous devons déjà dans le système zoning. Nous devons commencer à mettre l'autre là-dedans parce que ça va un prix. Là, mais pas ça à la consommation. Comment pour déterminer qui... Et comment pour déterminer c'est... Vous êtes assis dans la consultation publique. Comment vous déterminez ça? Un malin n'est pas capable, à cause du propriétaire d'un bâtiment, il peut imposer ça du monde là, 50 000 roupies. Michel a fait vendre du pain du bien, il peut payer 50 000 roupies tous les mois, mais normal, du pain du bien là pour vendre 100 roupies. Parce qu'il n'est pas sans consommateur. Et l'autre là, il est d'accord, il a un droit de spéculer, d'accord, mais c'est moi, il y a un petit groupe, il peut continuer à enrichir, parce que. Propriétaire magasin là, et que l'autre là, il ne passe pas ça à la consommation. Il fait un choix, lui, au petit. Il fait un choix. Là, je peux dire, on a fait. Ban suyer qui peut vendre 10 000 roupies pour l'année, 9 999. En avril, il pour 2 999. Quand vous dites, ben, moi, ben, ça a 7 000 là, quand il sorti. Ben, boss, l'époque l'année, vous avez besoin, parce que vous avez besoin de payer location, payer l'autre. Mais du monde, pas acheter suyer là, c'est vous avez besoin de son prix normal. Qui 2999 et tu fixes les 9999. Nous connaissons ça très bien. Et d'ailleurs, il n'y a pas bon même 2000, pas qu'on est comme il a acheté ça, parce qu'il les avait vendu 2000, 3000 roupies. Mais quand ça m'ordine, quand il passe, il passe en population. Ou pas qu'il passe dans le supermarché, ou le gain call. Moi, quand le gain call, il passe un coup pour une petite affaire là. Mais 1000 roupies, ça, une petite affaire là. Mais nous, bien comprendre, et nous comptons, nous saluons le gouvernement qui est venu avec l'observateur des prix. Il y a un observateur des prix. Si déjà il y a un des prix avant, on arrête lui, on revient. Mais c'est moi l'observateur des prix. Il n'est pas capable d'assister dans un comité après un mois, il bouge une boîte sardine, un glenric, après l'autre mois, il bouge de fromage. Il y a besoin d'un bureau continu et il est capable d'accepter représentation avec le consommateur. Parce qu'ils ont dit, du monde pas capable de travailler juste pour supermarché. Juste pour payer supermarché. Juste pour payer location. Et là, tu peux continuer à enrichir, enrichir. Vous avez un contrôle l'eau là. L'enrichissement, vous avez un contrôle l'eau là. Nous avons affaire à un tribunal qui tient à avoir certaines la cour décide sur l'affaire. Nous avons le mécanisme. Le mécanisme, c'est de protéger la consommation. Ou pose une question. Il y en a beaucoup qui ne vont pas dire, laisse-moi dire. Dans un contexte économique difficile qui nous a. Comment certaines la banque peut faire profit par milliard? Mais vous avez expliqué comment on peut faire ça. Mais pas ça, nous-mêmes, ça.
Donc, qui ne peut pas exister. Et comment on a dit qu'on peut perdre la case. Donc, il y a un système monopoly qui nous besoin monopoliser, nous besoin assiser, nous besoin guetter. Dans quelle façon société pour sortir gagnant. La manière du jour, nous ne pouvons pas concentrer, nous l'autre bande d'affaires là, nous ne pouvons pas passer la loi pour réguler tout l'autre, mais c'est moi, une vraie la loi, moi pensez moi, c'est bizarre, innover tout bon consumer, tout bon product, qu'il soit tangible, intangible, vini dire, mais qui problème, nous résister au problème là. Nous causons un petit peu, Maître Neil Candelou, lors la nomination, c'est juste, nous spécialisé au début de l'émission, un moment historique, première fois qu'il prend une madame qui peut accéder. Qui fin accède à sa poste là, un commentaire alors là. Et oui. Comment vous pensez ça peut amener un changement plus divin? Mais une madame bien chevronnée qui à la tête du judiciaire, qui est numéro 1, qui est numéro 2. Et moi, l'appel qu'ils m'ont fait à eux, c'est qu'ils ont pour la prendre une bonne époque et que depuis longtemps, il y a un projet, c'est la réforme judiciaire et réforme judiciaire, il fait pareil encore une fois, pas peu flatté. C'est Ram Goulam qui, quand il prend poste premier ministre pour la première fois, il fait appel à l'autre marqué. Il fait marquer Vini pour faire un assessment et propose réforme. Mm-hmm. Et là, après une petite élection 2000, et là en 2005, voilà, Denis Vini, comme attorney général, il refait marquer encore, réassister sa rapport là. Il revient. Et M. Manskazo dit, rapport là, là, mais pas peut mettre en pratique. Peut-être une des bonnes raisons, c'est contraintes financières. Qui n'est pas facile de mettre sa projet là du bout, parce qu'il coûte beaucoup l'argent. Mais judiciaire en lui-même, il gère une capacité financière qui est conséquente pour la République. Ce budget qu'il peut gérer lui-même, il est capable de servir sa budgeting là-même, il gagne accès pour lui faire sa bonne développement là. Et moi, pensez, moi, madame, Maledi, on est revolé des chips. Il y a sa réforme judiciaire là avec lui. Et il y a assez de temps pour être capable d'implémenter. Et ce que nous pouvons demander, c'est qu'il y a sa séparation. Et tout le monde peut dire, hein, nous avons un code of appeal séparé. Séparé. Plusieurs services unis de bonnes intentions, oui, nous pouvons appliquer. Et moi, je me dis, oh, le temps passe trop vite. On a trop beaucoup à faire. Trop de gens du monde et dans le niveau administration, les bizarres et là aussi. Et là, je me dis, judiciaire, understaff. Understaff, comment me dire, oh, le niveau administration, judiciaire, nous manquons pas nos fichiers. Et on a beaucoup la cour, manque aux fichiers. Il ne faut pas beaucoup parler de services, ni de step ou ça, parce que ce n'est pas eux qui pour calculer que ça va être un qui bizarre. Comment bizarre faire ça? Comment pour recruter? Qui c'est là qui pour recruter? Tout ça là, bizarre en harmonie, trouver qui, aujourd'hui, si vous téléphonez la cour, aujourd'hui, vous pourrez sur le téléphone pour depuis 9h30 jusqu'à 3h30. Si répondez à ce téléphone là, mais qui fait, qui problème? Parce que vous avez un réceptionniste. Vous n'êtes pas capable d'avoir un staff qui peut faire le travail qu'il peut faire là, travail de chez et travail de et vous expectez répondre à la call, nous comprenons la situation. Mais qui besoin faire? Mais besoin recruter. Nous avons l'infrastructure, nous avons la cour. La cour n'a pas qu'à opérer 9h30 à midi, après, des choses. Mais besoin opérer. Et je dis tout le temps, moi, nous avons l'infrastructure. Buffer est diminué. Beaucoup de monde n'ont pas de problème le buffer. Il y a la sonnette d'alarme. Le ministre Gaillane, quand il est ministre de la Santé, il dit besoin, il y a encore vos enfants parce qu'il nous perd dans le système. Ben, frais peut diminuer. Oui, mais statistiques, vous avez vu de l'avant, vous avez dit les peuples maurices, mais dans 2040, nous pensons qu'on a telle population, on va faire. Dans 2050, on a telle quantité de population. Nous avons tous à l'école, là, nous avons tout infrastructure. Infrastructure pas manqué, il y a un bâtiment, il y a rangé, les rats peuvent faire balle là-dedans. Pas manqué, mais c'est ma visibilité pour le prochain coup. Qui est dans la politique là? Faire politique et bien comme pour finir faire politique à least pour 2050 bon quitte ça l'héritage pour ça quitte ça les peuples qui peuvent venir 2050 là ou bien ça zen qui peut venir ils ont dit bien les enfants faire des titres aujourd'hui connaît comme mes parents d'artful et qui vous fait un petit là après quand ils viennent grand pas connaît laisse-y décider par lui-même parfois pas qu'à laisser décider par lui-même
Si vous n'avez pas de l'espoir, décidez pour moi-même. Vous avez moi, tu veux un avocat, moi. Parce que vous n'avez pas de l'espoir, décidez pour moi-même. Il tient l'eau. Moi, il me contrôle. Moi, il me guide. Moi, je ne sais pas. Moi, je suis venu à l'arrivée aujourd'hui. Il y a beaucoup de parents. S'il y a un problème, il guide les enfants. Là. Il y a des enfants, il ne sait pas, pas comprendre. Il ne sait pas le récalcitrant. Qui vous a fait que vous ne sait pas le récalcitrant? Qui gouvernement vous a fait? Le gouvernement disait qu'il était un coup si capable. Moi, je pense dans la vision là, oui. Pour les méchants, pour les boarding school. Mon méchant, quand je suis la case, moi, avec un contrôle, il parle de star, il parle de soldats, pas d'examen. Mais lundi, quand matin, dans le boarding school, vendredi, tantôt, je viens pour en haut. Samedi, dimanche, je passe avec les parents. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, là. Ou si, qui s'appuie, là, il y a deux ans qui est bizarre. En termes de l'éducation, en termes d'accompagnement, en termes social, en termes de manière. Mais nous prenons un camarade PTI, un instructeur, dans mon bal force, mais dans l'école, il a fait 13 ans. Il n'est pas possible qu'il, nous avons dit, il n'est pas possible qu'il s'applane à peu près 30% d'élèves, en généralité, fait un examen. Il est beaucoup les conséquents. Hein? Ou bien nous continuons de dire, comme ça, 30% là, nous besoin pour aller faire tel travail. Non! Pas du tout. Nous n'avons tous un prisonnier là, parce que c'est dans la prison. Pour nous autres, mettre autres dans la prison, pour faire quoi? Mais laisse-moi la boule. Et dans la ferme, et dans la fishing, et dans les légumes. Quand tu es prisonnier là, tu peux sortir et aller. Il connaît qu'il y a un travail, 5-6 bananes qu'il y a fini faire. Si vous allez récupérer un petit pétail pour lui, récupérer. Tout ça là, vous avez pensé dans notre cadre. Nous avons une société qui link, qui limorce, qui s'acquête bien sur camarades pour lui fonctionner. Mais malheureusement, il va comme ça. Qui nous besoin faire? Nous besoin sans ce système que nous continuons. Nous avons la loi là, et nous avons le lobby. Lobbyiste. Partout, dans tout pays, il y a. Nous besoin faire une façon de la loi pour les camarades qui sont dans les districts de l'huile, les districts savonnettes, les districts d'importation. Mais nous avons la loi sociale ici. Pour compte carré, parce que si vous êtes volatile, et vous n'êtes pas les peuples là, si vous ne contrôlez pas, vous laissez aller. Quand il y a un cas Covid, tout le monde est caché. Là, il y a tout ça cas Covid, là, tam tam, pas du néo. Parce qu'il vient. Vous êtes franc, parce que l'autorité, pas peut faire du monde payer Covid. Justement, on peut cause le Covid, maître Delou. Covid finit un grand rôle, ça l'en est là. Surtout, nous peux cause ça au début de l'émission, fin mentionné ou même. Finalement, beaucoup rétor, backlog, surtout sur le plan judiciaire. Et commenter alors là, comment Covid fin chamboule un petit peu, c'est l'année 2021. Oui, mais Covid, il fait beaucoup de monde payer à l'amour, payer à l'infection. Et tout une fin bizarre, payer soin, du pas de la vitesse. Jour disons, l'économie, tu pour la bonne croissance que tu peux expecter, si nous continuons. Dans des sites aussi, jour dis. Asez-nous. Il démarrait bien. Il démarrait bien là, après la réouverture. Mais suite à gouvernement français qui prend une décision, le rouge et le rouge éclat, nous avons un problème, nous avons un coup de frein. Nous pourrions redémarrer, oui. Mais c'est moi, ce n'est pas tout. L'indice touristique, ce n'est pas tout. Le problème, comme le Premier ministre me dit lui-même, le gros problème, le gros investissement que nous faisons, c'est nous payer. Impôts, tout le monde basic nécessities. Bizarre comment se fait produire ici. Obligé. Je focus sur le Made in Maurice. Made in Maurice, je connais madame Gani, je peux expliquer puis la philosophie derrière ça, mais s'il n'y a pas un coup de pouce, dans le législateur, qui peut arriver? Et pas dire que c'est impossible. Je vais finir de décider, je vais mettre mes importations comme taxes soumettées, même qui peut créer dans Maurice comme taxes soumettées. Mais c'est pareil comme ça. Si vous rentrez dans ce supermarché, c'est aujourd'hui, vous pouvez acheter tout produit importé. Tu ne fais pas de décider pour mettre de l'eau là-dedans. Enfin, tu as annoncé qu'il prenait 10% de l'eau banchel. Il n'est pas assez. Maintenant, pas connaître comme supermarché, si qui peut respecter ça. Il n'est pas assez. Quand on commence à apprendre qu'il peut, longtemps, tu as Interland Cropping dans Sugar Cane Field, tu peux qu'à plante pomme de terre, plante betterave, plante carotte, plante tout à faire. Interland Cropping, intuyé. Longtemps, tu as ministère coopératif pour aider la coopération, aider dans ma société, à côté de tout le monde, concentrer la production de légumes. Il est censé, il PME. Les mêmes affaires. Longtemps, tu peux promouvoir coopérative, ça veut dire inclusion tout du monde ensemble. À ce que nous faisons PME, one,
petit témoignage d'entreprise. Moi tout seul, parce que moi la guerre, moi le foncé, moi le route la route l'eau, c'est comme ça, moi le route la route l'eau, ça dès que mon gars produit, mon gars mettre mon produit. Non, il n'est pas comme ça. Donc, moi pensez, moi, bien revoir ça. Car nous n'avons pas besoin de payer, nous n'avons tout. Mais c'est moi, bien, et là, mon propre management, propre décider, qui est capable de follow qui l'eau, mais qui est capable et pour capable de mettre en pratique. Bon dieu l'autre jour là, dans l'hôpital. Ou expliquer les spécialistes dans l'hôpital qui vient docteur qui les soigne du monde. Ce programme soigne du monde. Il peut faire résister qui docteur vous travaille grand matin, qui docteur vous travaille tantôt, qui attendait là, qui attendait une minute ouvrée grand matin, qui attendait une fête tel symbole. Ce programme ça. Bizarre, il y a l'hôpital, par exemple, National Health Service en Angleterre, et il y a son corporate body, il y a son management. Moi, je le dis, viens là. Gaspillage fonds publics dans l'hôpital, tout gouvernement. Gaspillage fonds publics. Qui solution? Bizarre, trouver une solution. Solution là, c'est dans le management. Nous avons un docteur là, nous avons une infrastructure là, nous avons tout. Et il y a gaspillage, beaucoup d'argent gaspillé. Et il y a du monde, mon calculé, moi. C'est la solution que vous pensez qu'à gérer les affaires de l'État de la santé. Si vous privatisez tout l'hôpital qui est là, vous privatisez tout l'hôpital qui est là, c'est moi qui ai l'état du monde qui est dans l'hôpital, qui vient prendre son soin. C'est ça, l'hôpital là qui bille l'État. Il dit l'État a tel du monde qui vient aujourd'hui, il dit tel soin, tel soin, tel soin, tel soin, tel soin. Alors là, c'est l'État qui paye ça. Si nous réussissons à mettre ça à tel management là, nous save partout, save cost au niveau médecine, save cost au niveau manger, save cost au administration, save cost partout. Il n'est pas capable, un parti politique, là, aujourd'hui, tout ce monde members, PJ à l'hôpital, là. Comment il bien dit pouvoir? Un autre tender, aujourd'hui, un autre compagnie de sécurité, un autre l'équipe qui vient, un autre l'équipe qui vient management ici. Oh non, 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 non. Pas possible. Donc, le plus gros problème qui nous est là, nous faire face à la République aujourd'hui, c'est le niveau management. Nous avons un propre dedicated du management qui est dans l'équipe, qui comprend le problème, qui comprend la douleur et qui aussi peut faire business dans une façon que tu peux amener revenir à l'État. Si privatise l'hôpital, on ne peut dire que du monde a payé l'hôpital, non, c'est l'État qui paye pour ça, 50% cost pour suivre qui a servi dans les autres secteurs. Malheureusement, le fin arrive à la fin de nos émissions. Il compte de l'eau, le mot de la fin. Le mot de la fin, 2022, bienvenue. Bon, pas une cause qu'est-ce qui se n'aime d'aller là, mais... J'ai envie de causer là rapidement. Qu'est-ce qui se n'aime pas encore fini, pas pour finir cette là. Et je fais un appel, je connais que tout dépend de sa discrétion, je fais un appel au directeur des poursuites publiques qui rend sa détermination. Qui magistrate une ferme au cas public, parce que du monde bien connaît quelle est la détermination. Qu'est-ce qui se n'aime? Bravo à l'équipe Avengers. Moi, je suis involé dans le commencement pour déterminer, pour connaître ce qui est un renseignement que ce n'était pas suicide, c'était meurtre. L'équipe Avengers, parce qu'il y a d'autres équipes qui pourraient prendre en compte l'arrivée. Bravo à Valaden et ce team qui nous finit. Et pas paraître la même. On a beaucoup d'affaires parce que moi, comme je disais au plateau l'autre jour, là, c'est intolérable. Chagrinant qui est, mon premier ministre dit, un soldat est tombé. Mais pas juste chagrinant. Il faut mettre dans la main, dans la patte pour connaître qui n'est arrivé, effectivement. Si politique, pas pour mettre la main là-dedans. Politique gouvernementale, pas mettre la main là-dedans. Pas pour connaître la vérité parce qu'il finit dans trop beaucoup de grimaces dans sa crise. Là. Qu'est-ce qui se lève dans les prochaines années-là? Il fait une place médiatique extra importante. Trop importante, je veux dire. Les peuples maurices, ils ont saqué ça. Les peuples maurices, ils ont tiré une conclusion. Je ne parle pas pour une tiré conclusion, mais ce n'était pas un suicide, c'était un meurtre. Mais à cette l'autorité, à cette il n'est pas capable à cette comment dire, il faut fausse son âme, faire l'icône qui a besoin d'une enquête criminelle là-dedans. Donc l'année prochaine, je ne vais pas me causer parce qu'il n'est pas encore fini. Mais l'année prochaine, je pense qu'il y a ce qui se lève pour prendre une grande place dans l'espace de Tichir. Et sur mon protagoniste, et la détermination de mon avocat ici. Après,
nous avons envie qui nous arrêter que ce système provisoire là. Tout le monde dit là. Quand le premier ministre est sur le team, tu es dans l'opposition, tu peux crier. Nous finissons ça depuis bien longtemps. Tout le temps nous finissons ça. Bizarre arrêter que ce système met source provisoire là du monde là. Ou vini, ou met un source man magistrat ici. Quand on peut trouver une source provisoire, on peut se rouler, on peut prendre la décision pour créer une source provisoire. Parce qu'une source provisoire, il bloque un petit monde. Ou vous avez trouvé un casque pour payer une caution. Ou vous avez payé une caution pour sortir. Ou liberté est en dehors du seul contrôle. Et après, pour trouver qui, quand on est ready, après 10 bananes, vous revenez avec une autre case pour remettre une source provisoire, mais il ne faut pas chaler avec main case là même, direct. Tout ça, le temps n'a pas assez. Moi, je pense, moi, dans la plupart des cas, ma source provisoire peut être servie juste pour bloquer sa mamba là par les cibouzés ou bien juste pour gagner du seul contrôle. Après, comme une source provisoire, une fin dosée, et ça mène une fin tour main case. Donc, il y a un abus là. Donc, c'est la façon qui me dit comment vous avez dit l'orli. Dit l'orli, système anglais-français dans le système hybride. Français dans ce système juste d'instruction, anglais dans ce système à common law. Qu'est-ce qu'ils ont fait pareil. Nous payons pour trouver un système à part pour nous. Parce que tout le monde vient crier. Nous tendons ça avant d'être là, beaucoup de gens qui ont fait cause d'un juge d'instruction. Oui, il y a pourtant un juge d'instruction parce que tout le issues que vous trouvez peut lever dans la cour. C'est un juge d'instruction. Tout ça, les issues, tu peux finir crash out. Tu peux finir connaître. Mais qui est évidence qui est admissible, comment gagner cette évidence là, qui fait faire ça, ou qui est dans la crise d'ailleurs, malheureusement, feu d'ailleurs. On trouve que moi, il y a une bonne évidence, qu'on a finalement une contestation, mais c'est un système de juge d'instruction. Comment mal donne pas de point là? Donc, les primordial, il y a un débat là, juge d'instruction, c'est Valaden qui nous dit, quand il y a ton général, beaucoup de monde partit d'accord, beaucoup de monde qui dit non. Nous avons un système adversarial système, ou bien un système qu'on nous a une république, nous avons besoin de prouver, nous avons besoin de prouver une raison de doute, tout ça là, mais seulement, le plus qui est important, parce que le système de juge d'instruction, il est pour guider la force policière et il pour mais vous pouvez proposer un système hybride là, si vous voulez comprendre. Oui, parce que nous avons un système hybride, nous avons continué, Maurice, c'est un cas très particulier, nous pouvons suivre le système français et le système anglais. Mais pour le bien-être, pour faire un essor trial et protection constitutionnelle, nous bien capables de développer notre système. Non, il n'y a pas un peu nous. L'importance, c'est fairness. Merci beaucoup, merci. Maître Neil Candalouf, d'accepter nous l'invitation. Nous pourrons retrouver mon internaute demain pour une autre rétrospective. Nous souhaitons tout une bonne soirée. Merci.